أهلا وسهلا في هذا الفيديو الجديد مرحبا بكم في قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية أتمنى أن تكونوا بألف خير وأنتم تشاهدون هذا الفيديو في هذا الفيديو سوف نتحدث عن المرأة لكن خاصة مكانة المرأة في الإسلام لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس وكذلك الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو فلنبدأ femme En l'islam l'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place de choix dans la société islamique par ailleurs la charia islamique a doté la femme d'un statut qui lui était dénié non seulement au cours de la période pré-islamique, mais aussi jusqu'aux dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes. Cependant, il serait hasardeux de juger le statut de la femme en islam en se basant sur la mauvaise application des enseignements de la charia islamique ou sur la situation actuelle de la femme dans nombre de sociétés islamiques. Pour se convaincre de toute la considération que vous, l'islam, à la femme, il convient de porter un regard attentif sur la place de la femme dans les civilisations et les religions antérieures à l'islam. À travers l'histoire, la femme a été victime d'une grande injustice. Elle a été dépourvue de ses droits humains les plus élémentaires et fut souvent considéré comme inférieur à l'homme tant sur le plan physique que moral. Le Coran est venu corriger la déviation intellectuelle et comportementale qui a marqué la conception de la femme chez les civilisations et les religions anciennes. Ainsi, la femme a le droit à une vie digne au sens le plus large du terme. Outre le droit de disposer librement de ses biens, elle a le droit à l'enseignement, à l'éducation, à la propriété, au mariage, à l'héritage, au travail et à un statut social. De fait, il n'y a pas de vie monacale en islam et l'islam ne préconise pas le retrait de la vie sociale. On passe maintenant à la traduction en arabe. La femme en l'islam La femme en l'islam L'islam a honoré et valorisé la femme L'islam a honoré et valorisé la femme. Et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Et lui a accordé une place de choix dans la société islamique. Par ailleurs, la charia islamique a doté la femme d'un statut. Par ailleurs, la charia islamique a doté la femme d'un statut qui lui était dénié non seulement au cours de la période pré-islamique, qui lui était dénié non seulement au cours de la période pré-islamique, mais aussi jusqu'aux dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes. Mais aussi jusqu'aux dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes. Cependant, il serait hasardeux de juger le statut de la femme en islam. Cependant, il serait hasardeux de juger le statut de la femme en l'islam. en se basant sur la mauvaise application des enseignements de la charia islamique, en se basant sur la mauvaise application des enseignements de la charia islamique, ou sur la situation actuelle de la femme dans nombre de sociétés islamiques ou sur la situation actuelle de la femme dans nombre de sociétés islamiques pour se convaincre de toute la considération que vous L'Islam à la femme Pour se convaincre de toute la considération que vous, l'Islam à la femme, il convient de porter un regard attentif sur la place de la femme. Il convient de porter un regard attentif sur la place de la femme dans les civilisations et les religions antérieures à l'islam dans les civilisations et les religions antérieures à l'islam. À travers l'histoire, la femme a été victime d'une grande injustice. À travers l'histoire, la femme a été victime d'une grande injustice. Elle a été dépourvue de ses droits. Humain. elle a été dépourvue de ses droits humains les plus élémentaires et fut souvent considérée les plus élémentaires et fut souvent comme inférieur à l'homme, tant sur le plan physique que moral. Comme inférieur à l'homme, tant sur le plan physique que moral. Le Coran est venu corriger la déviation intellectuelle et comportementale. Le Coran est venu corriger la déviation intellectuelle et comportementale. qui a marqué la conception de la femme qui a marqué la conception de la femme chez les civilisations et les religions anciennes chez les civilisations et les religions anciennes. Ainsi, la femme a le droit à une vie digne au sens le plus large du terme. Ainsi, la femme a le droit à une vie digne au sens le plus large du terme. Autre, le droit de disposer librement de ses biens. Autre, le droit de disposer librement de ses biens. Et là, le droit à l'enseignement, à l'éducation, à la propriété, au mariage. Et là, le droit à l'enseignement, à l'éducation, à la propriété, au mariage. à l'héritage au travail et à un statut social à l'héritage au travail et à un statut social de fait, il n'y a pas de vie monacale en islam. De fait, il n'y a pas de vie monacale en islam. Et l'islam ne préconise pas le retrait de la vie sociale. Et l'islam ne préconise pas le retrait de la vie sociale. Maintenant, je vais relire le texte. Fait... La femme en l'islam. L'islam a honoré et valorisé la femme et lui a accordé une place du choix dans la société islamique. Par ailleurs, la charia islamique a doté la femme d'un statut qui lui était dénié non seulement au cours de la période pré-islamique, mais aussi jusqu'aux dernières décennies encore dans les sociétés non musulmanes. Cependant, il serait hasardeux de juger le statut de la femme en islam en se basant sur la mauvaise application des enseignements de la charia islamique ou sur la situation actuelle de la femme dans nombre de sociétés islamiques pour se convaincre de toute la considération que vous l'islam à la femme il convient de porter un regard attentif sur la place de la femme dans les civilisations et les religions antérieures l'islam. À travers l'histoire, la femme a été victime d'une grande injustice. Elle a été dépourvue de ses droits humains les plus élémentaires et fut souvent considérée comme inférieure à l'homme, tant sur le plan physique que morale. Le Coran est venu corriger la déviation intellectuelle et comportementale qui a marqué la conception de la femme chez les civilisations et les religions anciennes. Ainsi, la femme a le droit à une vie digne au sens le plus large du terme. Outre le droit de disposer librement de ses biens, elle a le droit à l'enseignement, à l'éducation, à la propriété, au mariage, à l'héritage, au travail et à un statut social. De fait, il n'y a pas de vie monacale en islam. Et l'islam ne préconise pas le retrait de la vie sociale.